Hello, coucou mes belles dames, coucou famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi également, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler de la gamme AHA. Donc, une gamme qui est très bien pour la peau, pour tout type de peau. Voilà, pour moi, pour clair, tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'est une gamme de beauté pour celles surtout qui n'aiment pas les produits composés. Parce que oui, il y a des personnes qui restent toujours sceptiques à l'idée des produits composés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez un peu, hein, c'est l'histoire des produits composés là. On trouve de faux, on trouve de... Ça va pas rentrer dans tout ça, mais pour toutes celles qui, on va dire, qui n'aiment pas utiliser les produits composés, cette gamme-là, elle est pour vous. Donc, c'est la gamme AHA. Donc, vous avez le sérum du soir, vous avez le savon, vous avez le sérum pour le visage, vous avez le lait du corps du jour, d'accord? Donc, ce lait du corps, il s'applique au visage et sur tout le corps, d'accord? Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le sérum du soir, vous pouvez tout simplement... utiliser même ce sérum de corps là sur le visage, ça marche très bien, d'accord. Ces produits là sont visage et corps, mais quand vous avez beaucoup d'imperfections, il est mieux de prendre celui là parce que lui il est plus concentré par rapport au sérum de corps que voici. Il est plus concentré, sinon ça il passe sur le corps. Mais quand vous n'avez pas beaucoup d'imperfections au visage, vous pouvez prendre ça seulement pour le corps ou le visage. Donc, comme je disais, le AHA, qu'est-ce que c'est les AHA? Les AHA sont des concentrés de fruits, d'accord. Et ici, nous avons dans le savon du collagène. Ici, et nous avons également de l'alpha-abutin ici, en plus de AHA. Et là, dans les sérums et les laits, nous avons de la vitamine C et de la vitamine E en plus des acides de fruits. Les acides de fruits ont un effet peeling sur la peau, si vous ne le savez pas. Les acides de fruits ont un effet peeling sur la peau. Les acides de fruits sont favorables, c'est-à-dire sont intéressants pour les personnes qui ont une peau sensible. Les peaux sensibles peuvent l'utiliser. Ça va qu'on entend acides de fruits, mais... il y a des acides de fruits qui sont vraiment tolérés, comme ces acides de fruits là, c'est vraiment très toléré. Il y a des acides de fruits également qui sont très forts, qui sont dosés, mais vraiment, qui sont très très forts. Par contre, ces acides de fruits là sont tolérés, donc même une peau qui est foncée peut l'utiliser, d'accord. Une peau qui est sensible, une peau qui est foncée peut l'utiliser. Elle est surtout, comme j'ai dit, pour les peaux sensibles, parce que vous savez que les peaux sensibles ne peuvent pas s'exfolier tout le temps. L'exfoliation même qui est recommandée pour une personne qui a une peau sensible, c'est l'exfoliation chimique, c'est-à-dire avec des produits qui exfolient eux-mêmes naturellement la peau. Donc, vous n'avez pas besoin de faire l'exfoliation physique qui est avec des gants, des produits, etc. Ou vous frotter ou d'impacter à l'institut. D'accord? Donc, c'est mieux de se connaître toujours votre type de peau avant d'utiliser un produit. Comme ça, vous êtes épargné. Souvent, le produit, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais parce que vous ne connaissez pas le type de peau que vous avez. Donc, du coup, vous utilisez tout et n'importe quoi et vous créez des problèmes, des dégâts sur la peau. Vous voyez, les peaux sensibles, c'est des peaux qui sont vraiment très difficiles, on va dire. Mais par contre, quand elles connaissent leur type de peau, elles n'ont pas de problème à l'entretenir. Parce que après, comme elles ne savent pas, lorsqu'elles utilisent tout, vous savez, je vais vous dire un truc. Quand vous utilisez pour un produit, pour une peau sensible, vous utilisez un produit qui est trop fort, vous allez avoir le contraire, c'est-à-dire l'effet contraire sur la peau. Donc, au lieu d'éclaircir, elle va ternir. Et quand vous faites trop d'exfoliation sur une peau qui est très sensible, elle ternit. C'est-à-dire, lorsqu'on vient, on donne des conseils pour dire que exfoliez-vous la peau, tel produit l'exfolie bien, tel truc est possible, avec l'exfoliation à plus de résultats. Vous ne savez pas, vous avez une peau sensible, vous commencez à utiliser des produits qui sont trop forts, vous faites des exfoliations, et c'est là que vous constatez le contraire. Vous avez l'impression que c'est maintenant que vous noircissez. Ou bien vous prenez un produit, je donne un autre exemple, un savon qui est trop fort, alors que vous avez une peau très sensible, et vous n'avez pas le résultat escompté. Mais c'est tout ça, cela est dû au fait que votre peau même, n'a pas besoin de tout ça. Donc lorsqu'elle est sensible, que vous utilisez des produits par exemple qui est adapté aux peaux normales, vous avez l'effet contraire. Donc il est très intéressant de connaître votre type de peau, et c'est pour tout ça on vous invite à venir au magasin, d'accord, à venir voir les professionnels, à venir voir les personnes qui s'y connaissent mieux. Comme ça au moins vous avez affaire à ces personnes qui vous donnent des conseils sur votre type de peau et le produit que vous devez utiliser. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, donc voilà ici la gamme AHA qui est disponible à la boutique. La boutique est située à Engrais Château, Fingoudron. On est ouvert du lundi au samedi. Le samedi, c'est sur rendez-vous. Du lundi au vendredi, je suis disponible, voilà, de 9h à 17h. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à très bientôt, n'est-ce pas, famille? Bye bye, portez-vous bien surtout.